fort que ça. Aujourd'hui, en plus, vous avez la chance d'avoir une célébrité qui va arriver ce soir. Donc j'aimerais, mesdames, messieurs, qu'on apprenne et que l'on fasse beaucoup plus de bruit. Saint-Georges, est-ce que tu es là? C'est un peu mieux. Par là, ça mange trop, je les entends pas. Alors, ou ils ont un problème de dentier, ou alors les frites collent un peu, qui sait? Les deux, peut-être. Mais alors, rien que pour cette rangée là-bas, est-ce que vous allez bien? Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Ce soir, on est là, mesdames, messieurs, pour faire la fête à Saint-Georges-sur-la-Ha. Il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de monde, et on est très, très, très heureux de vous accueillir. La municipalité de Saint-Georges, le comité des fêtes de Saint-Georges-sur-la-Ha sont ravis de vous voir aussi nombreux pour cette soirée, ce premier podium de l'été, pour fêter ensemble cet été. Et pour commencer, mesdames, messieurs, il nous chante David Hallyday comme personne. Il a une voix magnifique. Vous allez l'applaudir. Que dis-je? Vous allez faire du bruit pour lui. Voici pour vous, messieurs, mesdames, David Ferralop. Faites du bruit pour lui. Il nous vient de la Zopoule. Faites du bruit. Jamais traverser la mer.
Bonsoir, vous allez bien? On est une demi-heure ensemble, on va vous faire découvrir David Hallyday, l'univers. Il fait chaud aussi, non? On y va avec une plus connue.
Alors David, il a chanté avec sa sœur, Laura. Vous la connaissez, vous pouvez chanter comment ça s'appelle. On se fait peur, musique. Sylvie Vartan quand même, c'est sûr, puisque c'est la mère. David a repris une chanson qui s'appelle Irrésistiblement. Je vous la fais découvrir, on y va. Mon entraîneur, irrésistiblement vers
Vous la connaissiez? Non. Un peu plus musclée quand même. Bon, la prochaine, vous allez avoir du plaisir. C'est une chanson qui a été écrite pour John Hayden. On y va. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. La peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est ma dernière lettre, ce que j'ai jamais dit, ce que j'ai jamais dit, ce que j'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon. Je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir les saisons. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière. Quand mes yeux se ferment, je sens le calme et les cieux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je voulais, c'est juste un dernier. Prochaine, c'est une récente, donc je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, il faut la chanter avec moi quand même. À toi, je pardonne, musique. Des amours à la